Bonjour et bienvenue dans la vidéo de notre deuxième road trip. Donc ici nous sommes au Val Joly. En fait c'est un petit peu comme ceux qui connaissent le barrage de l'Odeur, c'est un peu l'identique. Il y a des coins vacances, des points d'eau, un grand point d'eau, et il y a moyen de faire toutes sortes d'activités comme pédalo, voile, et il y a un centre équestre et tout plein de choses ainsi. Il y a même de l'alpinisme, du trampoline, de l'arc, du golf, de la pêche, de la natation, il y a même un cinéma. Et il y a des cottages. Ma petite promenade du soir toute seule. Nous sommes ici à Nassogne et je vais voir l'aire paysagère des huttes et je vous montre ça puisqu'on l'avait fait en hiver mais ici on voulait le faire en été. Voilà. Paysagère. Je pense que ça va glisser un peu moins qu'en hiver parce que à mon souvenir on avait eu dur à monter et je vais me taire quelquefois qu'il y aurait du monde pour pouvoir les filmer parce que par ici c'est un coin où il y a beaucoup de biches et de cerfs. Thank you.
Ensemble, ils sont gigantesques. Et voilà la place, c'est s'y être avec un banc. Ça, c'est plus glamour en hiver, par contre. Donc, voilà. Il y a un côté qui est plus, qui est aussi glamour en été qu'en hiver. Et un côté, les s'y être qui sont plus chouettes en hiver qu'en été. C'est plus joli en fait, parce qu'il y a plein, enfin quand il y a de la neige. Et voilà, on redescend. Voilà Lierne. Il y a un monument. Nous allons voir ça. Un monument avec une étoile. Être éternel entre les États-Unis et la Belgique de la part de la 508e parachute infanterie régiment. Ah, c'est pas un tout jeune monument, quoi. C'est de 77. Bonjour. Nous sommes ici au monument européen des trois frontières, situé au triangle frontalier de Lilleur-Ouren. En résumé, le monument européen est clair et simple. Quatre mémoriaux en pierre naturelle issus de quatre pays de l'Association européenne pour l'Eifel et les Ardennes. Ils symbolisent la contribution de ces États et commémorent les pères fondateurs de l'Europe. Une cinquième pierre centrale enregistre collectivement les noms des signatures du traité de Rome du 25 mars 1957 et les fondateurs de la Communauté européenne.
river's gonna cry when you're gone. Ici, nous sommes au Mémorial Lancaster, qui se trouve à Burkreland. Celui-ci commémore la perte de 13 hommes, dont les deux bombardiers se sont écrasés ici. Il y a une aile, avec en dessous le même nombre de croix qu'il y a eu d'hommes morts pendant la guerre, cette fameuse guerre de la bataille des Ardennes. Nous sommes le jour 5 et nous sommes venus nous poser au lac de Waiswampak, qui est en passe de devenir un domaine récréatif avec un hôtel, des lodges et tout ce qui va avec. Thank you.
Have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says I just have to follow that, because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet. Ici, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, mais il y avait le centre RTT, qu'on appelait ça. Donc c'était le centre de télécommunication qui est à lessive. Donc ici, on est à lessive et les paraboles sont toujours là. La nécropole franco-allemande de Meissen est située dans la commune de Palisol. C'est un cimetière mixte qui abrite plus de 4700 corps répartis entre tombes individuelles et ossuaires. Cette nécropole est en rapport avec la guerre de 14.
La maison forte de Saint-Manche fait partie des quelques maisons qui ont été construites tardivement le long de la frontière belge du côté de Sedan, sur la ligne Maginot. Elles n'ont que le nom de maison forte car elles ne peuvent que retarder brièvement l'avancée des germaniques. Après toute la route de ce jour 8, nous nous sommes posés du côté de Bouillon. Demain est un jour blanc, comme on appelle ça. C'est-à-dire que c'est un jour où on ne filme rien, ne photographie rien, faisons les services car personne n'y échappe, et parfois quelques lessives. Mais cela ne nous empêche pas de nous déplacer pour autant. Ce matin, comme nous sommes du côté luxembourgeois, nous avons regardé les points touristiques autour de nous. Et nous avons trouvé le pavillon de Hoefels. C'est un pavillon qui a été rénové il y a peu, mais qui a été construit en 1934 par la famille Winandy Ames. À cette époque, c'était un lieu de rencontre et de convivialité. Aujourd'hui, c'est un point de passage pour de nombreuses randonnées dans le coin, avec un magnifique panorama. Nous voilà pour la fin de notre périple entre Rochefort et Ans-sur-Lesse. Nous en profitons pour aller voir les grottes des Praves. Non loin de là, vous avez aussi la résurgence de la Somme. Je vous mettrai les infos circuits sur notre blog. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications.
Si vous voulez avoir le sujet avant tout le monde le vendredi, venez nous rejoindre sur www.travelerfrombelgium.com.